Jésus. Vive le sang de l'agneau. Vive le sang de l'agneau. Fidèle ami de l'Église de Dieu de la 17, fidèle ami de l'Église qui sont sur le net. Récemment, le Seigneur s'est servi, ou encore par le truchement de notre leader, le pasteur Jean-Paul Lasset, Dieu nous a avertis que le pays allait connaître des moments de trouble. Effectivement, ces derniers jours, nous avons assisté à des scènes de violence dans tout le pays. La question que nous devons nous poser, pourquoi Dieu nous a averti par le truchement de notre leader de cette situation à venir et que nous sommes en train de vivre maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons le devoir de prier, d'intercéder pour ce pays que nous aimons tous. Pourquoi nous devrions prier? Le Seigneur a dit très clairement dans Jérémie 29, le verset 7, si je ne me trompe pas, nous devons prier car notre bonheur dépend du bonheur du pays. Dieu nous a promis aussi, toujours par le truchement de notre pasteur, qu'il nous réserve une bénédiction au sommet. Et nous commençons déjà à vivre cette bénédiction. Mais comment vivre cette bénédiction si nous sommes dans un pays où on ne peut pas sortir? Si nous sommes dans un pays, si nous avons une voiture et on ne peut pas sortir avec la voiture de peur qu'on ne brûle, qu'on ait sorti la voiture. Donc, la bénédiction ne serait plus une bénédiction puisque la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, je le répète, nous avons pour devoir de prier pour qu'il y ait la paix dans ce pays, pour qu'il y ait la paix entre les gouverneurs et les gouvernés, entre le gouvernement et les membres de l'opposition. Nous avons ce mandat, l'Église de Dieu de l'Éma 17. Et récemment, jeudi, je crois que vous l'avez écouté aussi, sur une radio très écoutée de la capitale, dans une émission très écoutée de la capitale, les journalistes ont identifié 6 pasteurs qu'ils croient, qu'ils pensent et qui sont crédibles. Et parmi ces 6 pasteurs figure le nom de notre berger, Jean-Paulin Lasserre. Nous devons rendre gloire à Dieu parce que dès le 17, on nous voit et on sait que nous avons une très bonne réputation. Nous devons travailler pour garder cette réputation. Nous devons travailler, surveiller sur nous, surveiller les uns sur les autres pour avoir un bon comportement parce que l'Église de Dieu de l'Éma 17, nous ne vendons pas un évangile de bon comportement. Nous ne croyons pas à une bénédiction sans condition. Dieu va nous bénir, mais il y a des conditions pour recevoir cette bénédiction. Et les autres dehors le savent. Donc prions pour notre pasteur, pour qu'il reste toujours humble et pour qu'il soit cité parmi les hommes de Dieu de ce pays. Encore une fois, prions, c'est notre devoir. Bonne adoration, bon culte à M. Seigneur. Merci. Amen.